actuellement dans la vallée du feu, Valley of Fire. J'ai pris des belles photos, je suis assez content. Il y a des gens partout là, ils sont sur les trucs. C'est un endroit assez incroyable par rapport à la vallée de la mort là, que j'ai faite hier. Ça vaut mille fois la vallée de la mort, c'est beaucoup plus beau. Et c'est super d'être là. Là, je kiffe vraiment. C'est vraiment des paysans et c'est ce que je cherchais. Donc par rapport à la vallée de la mort, il vaut mieux venir ici plutôt que faire la vallée de la mort. Ça n'a aucun intérêt la vallée de la mort ici, c'est vraiment très 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 beau. Donc je suis content, c'est une bonne matinée, c'est cool. Là, je suis à F10 pour avoir une profondeur de champ assez importante. Je suis à 400 ISO, donc c'est bon, pas trop de bruit. 400 6000 ISO, on est bon. Et F10 pour avoir une très bonne profondeur de champ. Voilà. Et c'est vraiment magnifique. Vraiment un bel endroit. Ce qu'il y a d'intéressant, ce sera trop tard. Let's go. Continue le road trip, Valley of Fire. Allez, Joe. Bon, là, il est temps de partir à Phoenix, en Arizona, pour 3 jours. J'ai regardé, il y a à peu près 4 heures de route, mais entre temps on va s'arrêter à Kingman qui a 2 heures de route en fait. Entre... Thank you.
Regardez-moi ça, ce lieu magique. Assez impressionnant, hein. Je vais faire un petit time-lapse, je pense que ce sera pas mal. Je vais me mettre à côté, sinon on ne se rend pas bien compte en fait de la taille de... taille du cactus quoi. Incroyable hein. Par contre, je sais absolument pas combien j'ai payé à l'entrée. Ça va être la surprise. J'espère que c'est pas trop cher quand même. Oh là là, celui-là est immense aussi. Comme du bois quoi. Regarde-moi ça, la bête. Incroyable. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Par rapport à ce matin quoi. Ce soir, je sais pas où je vais aller. Mais là, c'est il y a trop de lumière, le soleil est trop dur. Ça sert plus à rien d'insister. En tout cas, c'est magnifique ces cactus. Ils sont énormes. Magnifique. Je retrouve mon chemin maintenant, je sais pas où il est. Maintenant. Pardon. Bon, maintenant direction Starbucks. Parce que j'ai super faim, je suis réveillé depuis 2h du matin, je crois, ou 1h, je sais plus. Je suis toujours calé sur l'heure de Paris. Donc là, j'avoue que c'est chaud. J'ai faim. J'ai envie de boire un café. You're